Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve du coup, on est le 25 décembre, donc déjà joyeux Noël à tous. Ouais. Je suis avec aussi Brick Sister, voilà. Salut tout le monde. Donc voilà, je voulais vraiment vous souhaiter une bonne, enfin oula, pas bonne année encore, mais vraiment un joyeux Noël. J'espère que vous avez eu pas mal de choses, des bons sets Lego, ouais, enfin vraiment les choses que vous avez demandé, pas forcément des Lego parce que moi voilà c'est ce que j'adore le plus, mais oui. Voilà ce que vous avez demandé. N'hésitez ouais. pas si vous voulez, j'ai hâte parce que moi je suis curieux à me montrer ce que vous avez eu. Par mail ou dans les messages privés Instagram ou comme ça, ou à me le dire en commentaire de cette vidéo. Donc là, je vais d'abord vous montrer le premier cadeau, j'en ai vraiment besoin. C'est parce que après, je vais continuer avec ça. Donc là, en fait, c'est la boîte. Voilà, on verra rien parce qu'elle est longue. C'est un trépied multifonction. Je vais l'utiliser vraiment pour toutes mes vidéos maintenant, ce sera beaucoup mieux. Il y a même une télécommande à distance et tout ça. Donc là, en fait, je l'ai sorti, j'arrivais pas à la remettre dans le carton. Bon après la vidéo là elle risque d'être assez longue mais bon oui. On n'est pas pressé, c'est Noël, on va vous montrer tout ça. Et en fait là il y a la petite pochette exactement. Et donc là il y a le gros trépied voilà, ajustable et tout ça. Avec la télécommande à distance aussi, là il y a l'embout de toutes les tailles. La petite télécommande qu'il faudra que je connecte. Et là, le trépied qui peut monter, mais vraiment hyper haut. Enfin, c'est vraiment ouf. Donc là, on va continuer et la caméra, du coup, sera sur le trépied. J'ai hâte de tester tout ça. Voilà, je vais vous montrer. Certes, c'est pas trop en lien avec les Lego et tout. Mmh. Donc là, il y a le petit trépied vraiment qui est nickel. Là, ouais. vous êtes dessus. Ça va faire plein de nouvelles angles de vue. Même pour les lives, même ce que j'aurais gagné de Squeezie et tout qui vont arriver. Moi, s'il y a une grosse ça va être boîte, vraiment ça se voit top. Bien, ouais. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les conneries que j'ai eues, du fun, des trucs de mes sœurs et tout. Donc là. On a un petit rouleau de PQ, voilà. Ouais. Donc en fait, c'est avec des jeux en attendant que vous êtes en train de. Voilà. Petite exception, donc c'est ça c'est assez rigolo. Bon, après, peut... donc vous savez, je suis fan de Marvel, Star Wars. Donc là, ils m'ont trouvé vraiment les vraies chaussettes Marvel. Donc là, il y a cette version, celle-là. Et puis là, en mode Captain. Donc voilà, donc Captain c'est là, c'était préféré. De retour, voilà. Après, une autre paire en Star Wars. Ouais, donc moi qui n'avais plus de chaussettes, je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais elles sont tout le temps trouées, explosées, donc là c'est nickel. Et ensuite, toujours dans le même thème. Encore des culottes Marvel avec le bruit Captain et puis en rouge, franchement je les trouve top. Et en Star Wars, pareil, avec du X-Wing et tout. Ouais, donc ça c'est les petits trucs fun. Donc là ensuite j'ai eu la petite commande de Cheers. Voilà, ouais. Il y a plein de photos encore, faudra qu'on les épingle et tout, il y a ma famille et tout. Ouais. Et donc j'avais pris des trucs rigolos comme mon chat qui attaque ma ville. Bébé Yoda, Captain BU, et puis Mando, et ma ville, ouais, donc je vais les mettre dans ma chambre tranquille. Donc ça, c'est pas mal. Là, ma Brick Sister, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu ça, là, le Mandalorian. Donc là, je vais vous montrer ça, j'ai eu, du coup, l'enfant, donc bébé Yoda, à l'échelle. Donc c'est la plus petite figurine Star Wars Black Series. Voilà, donc je vous ferai une vidéo présentation. Je vais retourner faire plein de photos avec l'enfant au côté de Mando, c'est ouf. Je sais pas, il y a la boîte là-bas. Enfin, on voit pas du coup, mais ouais, voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment super cool. Je vais vous présenter et tout ça. Emballé, on aurait dit un petit paquet de clubs. Moi qui fume pas du tout, j'ai horreur de ça. Mais du coup, je suis super content de l'avoir et du coup, on se fera une petite vidéo par rapport à ça et des photos. Ouais. Donc là ensuite, c'est un truc plutôt sympa. Donc, je vais vite fait vous le montrer en ouvrant. En fait, c'est des. J'avais voulu, quand j'avais acheté les tables, acheter des barres LED et tout ça, des bandes LED. Mais en fait, c'est trop compliqué à raccorder. Donc là, en fait, c'est marrant, ils ont mis carrément deux chargeurs. Et il y a du coup deux barres LED. Et en fait, elles sont aimantées. Donc là, il y a la barre en aimant. Ouais. Que vous allez. Je vais venir en fait coller des scotch double face que je vais venir mettre sous ma table. Et en fait, là, vous avez la barre. Donc là, il y a les scotch LED. Enfin, oui. les scotch de plus, côté, si pardon. Ça colle plus. Voilà. Et ça, c'est la bande. Donc là, elle est aimantée. Donc, comme ça, je pourrais mettre ça, en fait. Et en fait, ça se recharge. Donc là, il y a encore le truc parce que voilà, je viens de l'ouvrir. Et du coup, ça, je vais le mettre. Et il y a trois modes. Donc là, vous pouvez le changer. Là, il y a les trois modes. Donc en mode éteint, évidemment. Après, il y a le mode tout le temps allumé. Voilà. Donc, c'est vraiment super c'est puissant. Super, ouais. Même je pourrais en mettre une là pour les vidéos, c'est vraiment pas mal. Donc là c'est le mode on et il y a aussi le mode G. Donc c'est détection de mouvement, voilà. Donc au bout d'un moment ça va s'éteindre. Mais bon on va pas attendre. Mais là en fait il y a vraiment 10 bandes LED. Et ce qu'il y a de bien c'est que
Je crois que je sais plus s'il y avait aussi des piles. Je crois qu'on peut dévisser, mais le mieux c'est justement de les recharger. Tac. Et puis quand j'en ai besoin, bah je viens le décrocher de mon aimant, je le mets chargé. Et quand c'est replein, je le remonte dessous ma table. Comme ça, en fait, ça éclaira tout dessous la table parce qu'il y a des trucs énormes qui vont arriver que je vais mettre dessous. Et donc là, il y en a deux et c'est tellement puissant que ça éclairera vraiment bien dessous la table. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, on a en fait là, l'emballage que je trouvais sympa. Et en fait, là, c'est un petit vêtement, voilà. Donc, un petit t-shirt bien sympa que je vais mettre souvent. J'aime beaucoup la couleur. C'est North Face. Voilà, donc il est vraiment sympa. Un peu rouille. Et il y a aussi marqué derrière, voilà. Donc, voilà, moi, j'aime bien les habits comme ça de marque et tout. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Donc là, maintenant, on s'intéresse enfin au Lego. Enfin, après, c'était vraiment des trucs trop cool. Donc là, la première boîte pour Noël que j'ai eue, c'est celle-là, le vaisseau d'Anakin, le Anakin Jedi Interceptor. Voilà, donc j'ai prévu la place sur mes étagères pour mettre à côté de tous les autres. Donc celui-là de Yoda, d'Obi-Wan et celui-là de vert de 2012 ou 13. Donc ça, ça va être parfait. J'ai hâte parce que c'est vraiment un de mes vaisseaux préférés. J'adore ces vaisseaux, la forme, les petites ailerons sur les côtés, la cabine. C'est vraiment fantastique. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est plutôt top. Ensuite, une autre bonne boîte, elle, donc Black celle Widow. De Black Widow, enfin je l'ai trouvée parce que j'ai pas de Lego Store, mais elle l'a trouvée je crois dans un Super U, donc c'est vraiment ouf, donc ça c'est cool. Et là c'est là que vous voyez que là par exemple Star Wars 30 balles vous avez ça, Marvel 30 balles vous avez ça quoi, donc ça c'est cool. Et, ensuite, et donc ça c'est pour moi. C'est Brick Sister, voilà, donc on va la retrouver avec nous aussi pour des lives. Ouais. Elle a eu ça. Les 5 bracelets Lego Dots. Donc ça, c'est cool. Elle a déjà une bonne collection. Donc là, encore plus 5, ça va être le bordel. Plein de pièces et tout. Donc ça, c'est cool. J'en aurai 8. Voilà, donc on commence à avoir pas mal de Lego Dots dans la collection. Après, là, je vais aller me les faire, je pense. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc là, maintenant, le monstre de la collection qui arrive. En plus, ce sera pour ma ville. Il faudra que je refasse de la place et tout ça. Ouais. Donc là... Là, voici, ça trouve en gros ma belle chemise de Noël, voilà. Donc là, on a l'énorme treehouse, voilà. Donc ça fait vraiment super cool. Il y a, je l'ai vraiment chopé dernière minute, hein. Je l'ai tout le temps repoussé. J'étais pas sûr de la vouloir ou pas, mais au final, je me suis dit, allez, sinon tu vas regretter. Je pense que moi, je vais la faire en verte parce que mon pote Adbrick, vous avez pu voir sur sa chaîne et sur son Insta, il l'a fait en orange, lui. Elle est vraiment belle aussi, mais du coup, j'ai envie de changer comme ça. Quand je vais essayer, je la vois orange chez moi, en vert. Et voilà, puis comme ça, ça change. Après, je vous dis pas que peut-être que je la changerai au fur des saisons, mais ce qui paraît, ça fait mal de mettre les petits pins verts dedans. Donc voilà. Donc là, on va tout remettre ensemble et je suis vraiment super content. Donc voilà, à peu près tout. Donc là, je vais essayer de tout vous remontrer. Le petit rouleau pour rigoler, le t-shirt, les barlettes pour que j'installe. La treehouse, donc ça j'ai vraiment hâte, il va y avoir plein de lives, les petites photos, le trépied là que je suis en train d'utiliser, c'est nickel, le bébé Yoda, ça mine de rien que ce petit truc, c'est la figurine la plus chère, je trouve, 13 balles ça, mais bon, avec le Mando ce sera ouf, donc ça c'est cool. Après il y a Black Widow et le set de Star Wars, les Lego Dots de ma soeur, donc c'est pas moi, ça, et les petites culottes pour rigoler, et puis bah, après il y avait des petits trucs, de l'argent et tout, mais voilà, un peu la plupart, donc franchement je suis super content. J'espère que vous aurez bien profité aussi de Noël. N'hésitez pas à venir tout ça en commentaire. Brick Sister aussi, t'es contente. Elle a plein de belles choses aussi, donc c'est cool. Donc plein de lives qui vont arriver aussi par rapport à ça. Là, il va y avoir pas mal. Ça va être long, je pense. Les trucs à avoir rachetés avec l'argent de Noël, les trucs qui vont arriver, enfin. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool, je suis super content. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore joyeux Noël à tous, j'espère que vous avez bien mangé, bien explosé, fait des bonnes bûches et tout ça, bien vous exploser le bide. Et en plus j'en ai filmé un petit peu de tout ça dans mon vlog, vous allez voir qui va arriver. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, joyeux Noël encore à vous. Et profitez bien et à plus pour une nouvelle vidéo. Salut.